Nous dit cette mise en accusation, nous qu'on a responsabilité nous. Nous pas pour le constituer dans le tribunal. Non, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est à titre informatif que nous invitons Mounsayo. D'accord. Est-ce qu'on est au courant que c'est un si pour le fait n'est-ce pas bien parler? Il va bien parler? Non, il va jamais quitter au parler en bas. Écoutez, nous pouvons écouter. Yuri la tortue, et Ali pas vini, Bokchit pas vini, par contre si président pas vini, mais il pas quitter parce que Négio dit, l'autre Négio, je ne sais pas où dire, l'autre Négio dit eux-mêmes, les séances de mise en accusation en fait, c'est nous-mêmes, même comme députés, qui avons droit pour nous faire mise en accusation, porter éléments de preuve, nous n'avons pas gagné pour nous inviter aucun monde pour venir parler en bas, eux-mêmes, passer par le tribunal. Bon, et Déco, oui. Moi-même, Négio dit, nous n'avons pas gagné droit. Écoutez, d'ailleurs, un protocole qui va discuter entre les différents blocs. Maintenant, ça capable même objet, ou capable même demander pour l'Assemblée qui est souveraine, pour le... C'est M. Jouli. Donc, nous n'avons pas de problème. Mais nous n'avons pas catégoriquement dit non, nous n'avons pas de droit. Parce qu'il suffit que dans la Constitution, nous n'avons pas interdit ça, nous-mêmes, et au Parlement, c'est le droit des précédents. Parce que ça n'a fait là, nous n'avons pas fait contre Jovenel Moïse uniquement parce que nous sommes dans l'opposition, nous n'avons fait... En attendant que une loi d'application, eh bien, il faut que le Parlement l'y crée en précédent et qu'il prenne le service de cadre maintenant réglementaire par rapport avec procédure de mise en accusation. Aussi simple que ça. Donc, moi-même, pense que, collègues, il n'y a pas d'intérêt pour boycotter une telle séance parce que question de violation des constitutions n'est pas concernée seulement les députés d'opposition. Et tous les collègues députés ou bien sénateurs, ils ont voté. Yo prêté serment pour yo faire respecter la constitution, la loi. Okay. Combien de députés de besoin? Combien de députés de besoin pour 80. Le mesure 80. 80 moins maintenant le président qui ne va pas voter. Oui, 80. Okay, monsieur, maintenant. C'est argumenté à New York pour le ban 80. D'accord, ça parce que nous pas gain quantité de députés ça. Oui, bien sûr. Non, mais attendez. Argumenté ça au pays attendez plus ou moins même si nous pas capable tout. Parce que m'avance ça avec nous dans le débat, monsieur. Les arguments. D'accord. Okay. Mais moi, je voulais retourner sous intervention collègue Manès là, tout à l'heure, sous question que tu as posée là, pour me dire un bagaille. Il y a deux bagailles que nous avons répété constamment dans le pays. Hein. Quelques mots répétés, et puis toute la République là a répété l'après. Ces questions, le gouvernement démissionnaire, il n'y a pas rentré dans le Parlement. Nulle part. Dans la Constitution 1987, il n'y a pas écrit aucun côté. Deuxième bagaille, que vous répétez en pile, que vous presque fait loi dans le pays, tout qu'on a répété, c'est dire au gouvernement ou ratifier déclaration politique générale ou un premier ministre, un gouvernement, ou pas capable d'interpeller avant 6 mois. Il n'y a pas écrit aucun côté dans la Constitution 1987, nulle part. Un seul côté. Que vous parlez dans 6 mois, c'est dans l'article 129.6. Oui. C'est dans le cadre de l'interpellation, cette fois-ci, du PM. Et si vote-là n'a pas terminé son vote de censure, vous assimilez là un vote de confiance. Dans ce cas de figure, ou pas qu'à interpeller dans 6 mois. Seul côté, bagaille, ça a parlé. Voilà. Mais vous ne prenez pas la musique de la prépételle. Maintenant, pour la séance de demain, son séance spéciale qui n'a pas obéi à des contraintes en ce qui a trait à une séance ordinaire. Donc, quel que soit citoyen capable de venir informer l'Assemblée des députés, parce qu'à ce moment-là, moi, dit et collègue Manès parlait le nom radio hier, la Chambre députée a nous comparé maintenant à Job Parker. Ouais, l'a gardé, l'est capable de saisir, même Jean, vous avez demandé moi, qui moun qui capable de saisir Chambre députée. Chambre députée est capable de saisir par n'importe qui citoyen, capable de dire une violation de la Constitution par des organisations de droits de l'homme. Y compris des députés de l'opposition qui sont capables de saisir propre assemblée par eux sous violation de la Constitution. Et c'est ça que nous faisons. Maintenant, est-ce que Mounio, c'est contraignant pour venir ou pas? Non, parce que la question s'est posée. Et déjà, pas de contrainte. Mais le président de la République a tout intérêt, en tout cas pour sa défense, de favoriser probablement à ses ministres démissionnaires ou des partisans probablement éventuellement proches de Premier ministre pour y venir
pour tenter de démentir des actes que vous comptez signer. Oui, alors, donc, non, mais... c'est dans leur intérêt de le faire. Si vous n'avez pas venu, ce n'est pas grave, parce que les documents sont valables et ils auraient été intacts, ils auraient imposé à la vérité. Pour me corroborer, collègue Bossé, sous invitation, vous n'avez pas venu. Pas de contrainte physique, tant que j'ai un commissaire qui a voulu arrêter, on m'a dit besoin d'aider, mais la contrainte est morale. Il est moral parce que, par exemple, on dit nous prenons le ministre démissionnaire à Lioudi, nous prenons Bochit. Yo, c'est des gens qui gagnent des prérogatives maintenant de puissance publique. Ils sont dans l'État. Ils ont touché l'argent du trésor public là. Ils ont un avantage qui est lié à leur fonction de ministre. Maintenant, les gens, ils ont une obligation dans l'ordre moral et politique pour contribuer à ce qu'ils font là. Donc, moralement, ils doivent venir, c'est une vidéo. Donc, Gary Bodo a une obligation pour inviter les gens et les gens n'ont pas besoin de gommer avec eux. Ils ne peuvent pas arrêter. Parce qu'il n'y a pas de provision légale pour ça. C'est mais ça. Moralement, ils sont tenus maintenant de se présenter pour la bonne cause. Oui, parce que, écoutez, m'abdomagaye. Le pays a mal marché. Là, les Amdé ont mis un contexte, ça fait là, on bagaille, quand on a parlé du système. Système, non, oui. Mais système, non, ça y est. J'étais sous un cadre théorique qui est la loi, qui sont les lois de la République, ou bien qui encore. L'organisation. L'organisation. Bon, et ça n'est l'état de droit. Oui. Mais là, nous, comme président, par exemple, les trois pouvoirs de l'État, qui nous prennent CSPJ. Bah, y a mal fait. Oui. La justice a livré, c'est nous de tout compte allié. Oui, donc, nous prenons le Parlement. Oui. Pire. Après le critique. Nous prenons l'exécutif. Donc, nous avons trois pouvoirs de l'État qui ont nagé dans, je ne dit, un scandale, qui ont nagé dans tout ça, un brigandage démocratique. Donc, Kounia, si nous faisons une accusation, nous visons tracer un exemple. Tracer exemple contre un président. Qui viole la constitution. Oui. Et moi, Fon Min là, Fon Min Deka, Fon Baideka. Par exemple. Nous avons argumenté, nous avons argumenté, mais nous avons demandé de réagir sur ça, nous avons dit, mais vous connaissez, monsieur, vous connaissez ça. Il y a une période côté, il y a changé le gouvernement. Et puis, sénateur, l'opposition, ne vous cassez pas, vous dites Ali pas descendre en bas parce que Ali pas rentré en bas, il pas quitter Ali vient en bas parce que il pas voulu Ali. Et gouvernement crasé même parce que Ali il refusait que monsieur continue rester comme ministre justice et on dit monsieur pas qu'à présenter en bas. Et puis aujourd'hui dans un autre cadre. Oui. Dans un autre cadre. Et n'a évité monsieur Vini maintenant n'a aimé analyse objective de deux séquences. Le citoyen Ali Woody, que l'été de facto toujours dans le fauteuil ministériel t'a invité, que l'été la gare t'a invité. Parce qu'à un certain moment, même le lit de facto, l'été engagé l'État. Donc c'est la raison très simple, il n'y a pas invité, parce que nous-mêmes également à la Chambre des députés, Ali Woody pas apprendre. Non, cadre normal d'une séance ordinaire. Ça, c'est à la chambre. Maintenant, à la chambre des députés. Mais il s'agit d'une séance spéciale que nous fait appel à tout citoyen, en particulier quelqu'un qui, de manière illégale, t'est occupé à un certain moment le fauteuil ministériel et qui a engagé l'État dans, justement, dans le cadre de l'affaire des sept mercenaires, des bandits américains, que j'étais aidé à soustraire au verdict de la justice. Par exemple, séance ça caractère spécial il fait que il vient une sorte de dérogation à Sandabdi en termes de déduction pour Ali oui. Ministre Ali t'a vu dans le parlement et dans la chambre députée et c'était du bon droit pour qui ça on prend nous connaissons nous toutes là nous suivons bagaille là parce que nous c'est des journalistes professionnels qui suivent le fonctionnement de la justice ou bien un commissaire du gouvernement qui saisit en flagrant délit la banquette il a arrêté nèg en flagrant délit Lui dit, c'est présumé, eh bien, il n'est pas libérable. Dans un document. Dans les non, lui dit publiquement. Dans, déclaration, oui. Dans les médias. Il dit, c'est présumé, arrêté, en flagrant délit, ne sont pas maintenant libérables. Trois jours après, le fameux ministre de la Justice, Ali Woody, écrit la DCPJ. Dit lui ordonner le transfert maintenant de ces prévenus que le commissaire gouvernement là te dit pas libérable. Et moi-même, à ce moment-là, je te dis, commissaire gouvernement,
un peu d'élégance. Tirer la, la révérence. Aussi simple que ça. Qui ça vous fait maintenant contre le CSPJ qui sont subalternes, qui prend sur lui maintenant la responsabilité de faire partir maintenant son simple lettre de l'ordre. Et Ali Oudi fait une immixtion brutale dans le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, ça a révolté le CSPJ auprès qu'il criait à la violation de la Constitution. Haïti, donc, et pour ça fait que nous besoin Mounsa Ovini, pour dire, pour qui ça a été pris en telle correspondance, pour expliquer à la nation, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi de cause, ce n'est pas collègue Bossé, ce n'est pas moi-même qui parle argumenter seulement, mais nous besoin d'entendre version par Mounsa Ovini, qui était condamné un tel comportement de Ali Oudi. Oui. Donc, en termes d'arguments, ou qu'est-ce qu'un argument, donc pas rien n'est qu'à combattre ça. Monsieur, sur que la violation, le principe de la séparation des trois pouvoirs. Les donc, il y a Ali Oudi qui, non exécutif, qui font une immixtion scandaleuse, brutale, non judiciaire, là, pour larguer des mouns qui américains. Okay. Donc, et ça fait Kato, t'es dit, c'est la tête Kato, t'es dit, pas question pour. Député Manès, t'as l'air qui pose des questions. Il me croit que auditoire là, vraiment, pas qu'attendre, puisque déjà, ben ou avant-goût, expliquer des argumentaires qui prouvaient que question violation de la Constitution par le président Jovenel Moïse. Ça, extrêmement important. Baron Essin a fait le tour à tour, présenter quelques arguments, parce que Mounio t'a aimé commencer à comprendre ça que le fait là. C'est instant. N'a pas appelé tout le monde, que n'a pas direct demain sur télévision à Radio. On a l'hygiène à plat, toute bagaille. Son grande première dans la République. Ma baronka, et m'a pas quoi que collègue majorité a bien suffisamment de courage devant la vérité pour défendre ça. Haïti. Le gouvernement de ex-premier ministre Lafontaine, il fait un remaniement ministériel avec 5 ministres. Nous sommes géants. C'était Guilherme Delva, ministre de la Culture, Oudi Ali, ministre de la Justice, Brunet Intérieur, Engrin Agriculture, et puis le ministre vivant à l'étranger. Le ministre et des Haïtiens vivent à l'étranger. Guy François. Là, nous-mêmes de l'opposition, nous écrit une correspondance à la Cour des comptes pour nous dire, Mounsayo, dis-nous est-ce qu'il est comptable de fait ou de droit. La correspondance responsive maintenant de la Cour dit, eh bien, parmi ces 5 ministres, il y a 4 qui sont comptables de droit et Guilherme et Delva comptables de fait. Et que dit maintenant l'article 172.1? Il dit pour être ministre, il faut remplir telle condition. Notamment sous tes directeurs ou tes comptables de fait ou de droit, il faut gagner des charges. Il dit encore, il faut que moun sa prouve qu'il est propriétaire. Pour qui sa propriétaire? Loi dans l'État. Ou pas gagner l'argent l'État. Ou qu'a volé. L'on vole kounya là, il faut que bien on greve d'hypothèque en garantie maintenant de l'argent qu'a volé en l'État. Voilà que le ministre Guilherme n'a pas de bail titre de propriété, sous pas de bail, et nous gagnons un certificat émanant du Parlement, de la Chambre des députés, qui dit, noir sur blanc, eh bien, ils ont cherché, ils ont fouillé, après recherche, ils ont pas côté Alité bail certificat de charge, ils ont pas côté Guité dit qu'il y a un titre de propriété, ils ont pas côté un grand qui était directeur qui a un cas. Il pague des charges. Donc, c'est-à-dire qu'on déduit que l'article 172 a été violé. Et dans l'arrêté de nomination, le président Jovenel Moïse est co-signataire de l'arrêté. Donc, si Jacques Guité est en fonction, nous sommes tout étonnés mis en accusation à Jacques Guité Lafontaine. Heureusement pour lui, il n'est plus. Mais s'il était là, nous étions qu'à étendre cette mise en accusation contre Jacques Guy Lafontaine qui était signé cet arrêté, eh bien, portant sur le remaniement du cabinet ministériel. Donc, fais ça, Marco, campagne. Qui avocat aussi brillant, qui collègue député aussi brillant, qui a campé devant un tel argument? L'autre affaire, ou deuxième par exemple, c'est le fameux arrêté pris en conseil des ministres par le président Jovenel Moïse en ce qui a trait
à la loi créant la police. On songeait, c'est l'article 13 de loi créant la police, là, côté les points arrêtés pour retirer sous l'autorité du commandant-chef de la police un ensemble de prérogatives qui liées à sa fonction de directeur général de la police. On songeait, en plus l'organisation de loi de l'homme, t'es crié contre le bagage, ça a été révolté contre le bagage, ça. Même Jean-Collègue Manès Abdili, parce que nous parlons très technique, qui est ce député de la majorité, compétent ou non, qui est capable de camper devant bagage, ça, et la population va regarder, là, va lever main favorablement. Et ça, c'est abouti, alors, avant de vous, oublier, l'un des Jacques Guilafondant, c'est ça qui a fait que sa majorité l'avait poussé à la démission. Et acte a été donné que dans le cadre maintenant de la démission du PM Jacques Guy Lafontaine, la constitution a été violée. Nous avons des documents en bas nous là. Nous avons des documents en bas nous. Okay. Chambre députée, le président Garibodo, t'es by acte, Paco, Garibodo, notre président, lorsque nous avons fait séance pour nous interpeller Jacques Guy Lafontaine, il by acte avec notre collègue et numéro, qui t'a fait demande là, il by acte, il dit, acte qui constitue en dévulé. Donc, même si on a la parole. C'est que tu reconnaître que le gouvernement, l'administration Lafontaine, Moïse et Moïse et Jovenel Moïse, t'es que tu as violé la constitution. Alors, nous constatons que le collègue Manès est très abondant. Bien évidemment, pour que nous respections l'ordre des choses, d'autres cas, nous sommes capables de violation de la constitution. Tout le monde rappelait, en visite en France, lors d'une rencontre avec la communauté haïtienne, président Jovenel dit l'y nommer 50 juges corrompus dans le système. Non. Certains monde qui ont interprété, qui ont dit son aveu d'impuissance, son mounio bas et pression, mais c'est un acte de violation de la Constitution. Puisque, comme président de la République, qui l'a pour garantie la bonne marche des institutions, un président l'y reconnaît. Et c'est le deal que le nommer 50 juges corrompus. Mais il y a d'autres faits. Collègue Yo Palais de ministre Sayo qui était besoin d'échange. Mais la Constitution 87 amendée vient faire de président l'autorité de nomination des ministres, de conseil bien entendu avec le Premier ministre. Sous le gouvernement Moïse Séan, il a nommé un citoyen qui a une nationalité américaine au poste de ministre de l'Environnement. Voilà que citoyen ça a été fin nommé, c'est au Parlement, nous venons découvrir qu'un citoyen étranger était nommé par le président Jovenel Moïse au poste de ministre de l'Environnement. Voilà. Donc, voilà un ensemble d'exemples, mais Jean nous rappelait son document d'une trentaine de pages. Comme ce couple-là, toujours voulait que ce copio, mais permettre que nous pas étaler tout l'autre feuille. Mais je vous assure, Jean-Collègue Bossefel, Imanesfel, à travers ce document, mais vraiment à travers les articles de la Constitution, nous étayer tout fait que nous reprochons au président de la bon l'autre cas, des communes qui nous bavaient toutes, font baillon l'autre cas, on a fini. Oui. Le massacre de la Saline, qui est un massacre d'État. Pour nous autres, argument nous gagnant, le président, il peut violer la Constitution par inaction ou bien par omission. Oui, bien sûr. Négligence. Le laxisme. Qui fait ça, oui. Laisser aller. Veiller. Bon, juge d'instruction qui saisit le dossier massacre de la Saline. Il prend une mesure restrictive de liberté contre un directeur général, qui c'est M. Monchéri. Un délégué départemental. Maintenant. Ils sont basés sur le code pénal qui dit, mais les hauts fonctionnaires, pour y aller devant la justice, maintenant les hauts fonctionnaires, il faut qu'ils soient autorisés. Mm-hmm. Alors que pourtant moi-même, il y a avis contraire par rapport avec la convention. C'est son débat. Débat. Eh bien, qui sa président veut faire lui-même? Il faut le mettre, Negio, à la disposition de la justice. Pour ne pas utiliser prérogatives de puissance publique l'État. C'est l'élite pour évoquer. Ah oui! Il faut le mettre de côté. Donc, l'équité est là toujours. De la même manière. Donc, l'État couvre Nexayo. L'État couvre. L'État couvre Nexayo toujours. Avec Isabelle. Il faut le dégager la décence pour le démettre à la disposition de la justice. Donc, je rappelle, l'MD dans le dossier, on a comme commissaire du gouvernement, Sandro.
et puis de regretter mémoire, le président Préval était parti, il est retourné, et porte ils font déclaration, il dit bon, puisque un dossier de corruption, eh bien moi-même, je vais le mettre sans doute à disposition de la justice pour arrêter le bokeh. Comment nous est dans l'opposition? On veut dire qu'il signe un acte de mise en cause. On veut on a besoin de 80. Quelles sont vos chances? Moi, t'as parlé dernièrement, ou hier, peut-être que nous allons faire le cognac. C'est l'interpellation contre Jacques Guy Lafontaine, la veille, t'es même débat ça, yo. Côté nous gageons nos majorités, alors que nous étions au début de 5 députés, nous venons 16, 11 qui viennent ajouter à nous-mêmes, fait 16 députés. Mais circonstances, occasion qui étaient, des circonstances qui amenaient majorité, justement, à collaborer, parce que certainement, ce n'est pas nous qui devons le faire en termes de vote au niveau de la Chambre des députés. Les événements du 6, 7 et 8 juillet, y compris d'autres manifestations après des demandes d'interpellation, ça vient favoriser le vote là contre Jacques Guy Lafontaine. J'ose dire encore, c'est exactement la même cas de figure que nous y est. Et nous demandons déjà, nous voulons que la rue supporte l'action des députés parce qu'il s'agit justement d'aider à toute population qui a demandé depuis 13 mois le départ de Jovenel Moïse. Nous essayons de faire jouer un mécanisme institutionnel. Ça veut dire. Nous demandons que la rue allait. Même gens aux États-Unis, ils font à partir de courriel, le gain ou loi qui en débat dans le Congrès, que ont demandé députés la CAIO pour supporter la loi ou voter contre les. Nous demandons bon ici, nous pas une pratique courriel là, mais nous avons une pratique sitting des manifestations pour aller ouais, devant chaque député, demander au temps pris, voter favorablement à la mise en accusation du président Jovenel Moïse, gentiment pour faire ça. Pression, non, ben là, monsieur. Et c'est pas pression, nous très sérieux, c'est pas pression, c'est très sérieux parce que député. Non, nous sommes très sérieux, nous pas pression. Non, Mgaldou, député, il y a un pile qui parlait avec nous, qui souhaitait faire, mais. Relation, on va permettre de dire intime, qui ont été tenues avec Jovenel Moïse durant ces deux dernières années et mettez en pile dans une situation inconfortable, difficile, compliquée, mais je crois si population a aidé dans ce sens-là, soutenu, fait manifestation, mandé député tel côté, député Bossé, voté favorablement, député Manès, voté favorablement, d'autant plus, presque au terme du mandat de 4 ans, et compte tenu que majorité des députés, ou presque toutes, ont velléité pour renouveler tête dans la Chambre des députés, c'est bien une bonne occasion pour assurer un vote éventuel de population la Gaïo. Bon aspect, non, mais nous faut-il parler de ça. Là, nous fait appel avec l'autre député qui, soi-disant, pouvoir majoritaire, nous mettez pouvoir tout dans une situation côté, lui obligé de débousser parce que nous avons une pratique. Ah, monsieur, nous avons une pratique, côté de Kounia, veut faire sur en chair. Ah, pour ne pas mettre en accusation, il faut dégager, miser. Et bien, ça a parlé un pile côté de mise que je venais supposer, bah, sinon, il capote responsabilité. Bon, et nous-mêmes, nous pensons que. Pour, et cette fois-ci, je pense que les collègues ont mis à la dimension. Et il y a un pile collègue qui parle avec nous. Non, il parle avec nous. Il y a un gars qui dit nous. Question mise en accusation, pas une minorité, pas une majorité. Il parle avec nous. Non, écoutez, il dit pas une majorité, pas une minorité. Donc nous-mêmes, nous pensons que le Parlement, nous comptons ça le représenter, ça va le faire nous. Et trois ans, on a Parlement ça. Nous connaissons pratique, mais nous avons dit que, pour une fois, et question mise en accusation, ce n'est pas une question qui concernait seulement les députés de l'opposition. Il concernait tout la majorité. Et nous avons dit ça en étant des collègues forestales, son collègue qui est de la majorité, mais qui toujours prend dimension pour le comprendre que, eh bien, il n'est pas soutenu maintenant au gouvernement avec le main. Il te dit, si nous arrivons, bah, le preuve. Et à ce moment-là, déduction, hein, collègue Floristal, et nous voyons que la bonne de nous, et même gens, nous espérons pour les autres collègues de la majorité, et ils sont capables, à l'autre président, c'est président, d'ailleurs, chaque mardi, ils ont un compte dans le palais, par contre, ils ont un toujours, fait toujours, mais ils sont capables de parler avec le président, même compter sur eux, compter, nest qu'ils ont mettre dans la dimension homme d'État. Parce que, en Parlement, c'est lieu côté de débat. Côté, il y a défendu l'intégrité de la population. Hein? Et je pense que moi-même, demain, collègue, je parle étonné. Je parle de l'autre signal dans l'opinion par rapport à toute critique yo, qu'il a fait. Et bien, je parle amender tête yo pour être capable vraiment faire plaisir avec circonscription yo, pour être capable
une fois pour toutes, pour dire bon, vous mettez intérêt mesquin de côté, pour prioriser maintenant les intérêts supérieurs de la nation. Et ça me pense, alors, moi, je ne vais pas entrer dans, et les gens disent, je ne vais pas entrer dans ça. Et je respecte les collègues, yo, c'est des collègues qui nous connaissent, qui estiment en pile pour eux, et malgré parfois, ils ont passé droit minorité en papier, mais nous pas donné, yo, nous connaissons demain. Il y a une dans séance là, où ils font débat, un bon débat, et moi-même te promettre avec Nation un spectacle de bon goût, pour ne pas gagner animosité, pour gagner une sorte de confraternité dans le bagage là. Et puis, pour nous d'accord que, eh bien, système là, c'est lui-même qui fait que un président a violé la Constitution à longueur de journée. C'est lui-même qui fait que, eh bien, les trois pouvoirs de l'État, ils ont une situation où ils pour nous capables, eh bien, marquer l'histoire. Et bien, pour dire, bien, la 50e législature, eh bien, il était marqué par Saïli, quoi qu'on disait déjà, quoi qu'on dise maintenant de ce Parlement, pour une fois pour toutes, eh bien, nous, quitter un bagaille. Quitter un bagaille. Et, nous, quoi, pas trop tard pour nous, ou changer. Et nous, vrai, demain, monsieur, yo, admettre yo à la hauteur maintenant de mission, yo, comme député. Et moi, m'a conclu pour me dire, c'est pas affaire majorité-minorité, c'est affaire de pays en après là. Et collègues majorité, yo, nous comptons sur yo. Et il a bien fait un bon débat pour yo et déduire effectivement la Constitution des violées, loi des violées par Jovenel Moïse. Alors, moi-même et Gary Pierre-Paul Charles posaient question, il m'a dit qui chance nous gagne. Très honnêtement, et je ne voulais pas répondre à la question, écoutez, nous avons chance ou bien nous pas gagne chance. Ça, pays a doit comprendre et collègues doivent comprendre. Il est vrai que nous, c'est une vingtaine de députés qui partie prenante de questions ça. C'est pas une vingtaine de députés qui besoin, par contre, tirer un drap à bon côté. C'est pas une vingtaine de députés qui n'ont une démarche au toit que je m'y mets, c'est comme si il faut à tout prix débarrasser PIA de Jovenel Moïse parce que nous avons un problème personnel avec Jovenel Moïse comme président de la République. Très souvent, de confrères de la presse, de commentateurs, ici à Scoop FM et dans d'autres stations de radio. Mais le monde dans la société est toujours très critique et parfois avec raison, qui dit, écoutez, vous êtes député, c'est vrai, vous êtes de la minorité, mais la loi, Constitution 1, ben nous, on ensemble de prérogatives. Pour qui ça, nous contenter dans la longueur de journée, nous dans la radio, dans le palais, et que nous pas fait ça la loi, sa constitution en main des noms. Donc, nous c'est vingtaine de députés ça, qui dit, eh ben, il y a la constitution, qui ben nous de provision, à partir de constats que nous fait, de violation constitution, hein, et nous décider courageusement emboîter le pas. Puisque, contrairement avec Jean Lemoun, comprenne, c'est pas on démarche qui de tout repos que nous prend là. Nous, chaque qui dans le studio à là, mais de l'autre collègue qui est partie prenante, soit directement ou indirectement, nous gagnons des menaces. Et parfois, ça même gagne de préjudice sous de électeurs, non, sous circonscription que nous représentons. Mais nous dit, écoutez, n'a prend responsabilité. Et c'est ça que fait mon petit Jean désabusé, voire en désaccord avec le monde qui est très important dans la société, des intellectuels, le monde dans la société civile ou de force vive, qui dit, ah, écoute, c'est un théâtre qui prend le fait parce que et parlement et ou chambre députée, ils ont fait mandat, et c'est que ces Kounia ont entamé un tel processus. Déjà, pour la vérité et pour l'histoire, il y a 6 mois que nous t'ai déposé motion de mise en accusation, ça. Mais il y a 6 mois que nous déposé, mais c'est pratiquement depuis 2017, nous avons compilé un ensemble de faits. Et encore, l'histoire là pour le prouver, depuis notre budget 2017-2018, bien avant le vote du budget 2017-2018, il y a la loi sur l'ICREF, côté pour le pouvoir, pour que le président de la République t'ait débarrassé le don directeur général en la personne de M. Sonel, Jean-François
qui était objet d'un rapport qui était accusé à tort ou à raison, puisque la justice pour que j'en fin prononcé qui était accusé président en blanchiment, eh bien, ils ont concocté une loi et c'est sous base loi ça, du jour au lendemain, mandat M. Sonel pour qu'on arrive à terme, ils ont changé. Mais c'est depuis lors. N'a compilé des documents sous attitude, sous des actions que régime non a posé. Et c'est somme de tout élément ça yo qui fait nous dire il y a lieu pour que nous introduit cette mise en accusation. Donc, non pas en logique de coup d'éclat, non pas non logique, c'est comme si nous faisons mise en accusation, je ne sais pour faire quelle négociation. Non, nous prenons notre responsabilité. Maintenant, plaise. À chaque collègue, yo, et ça fait nous prendre le soin, Jean-Collègue Manès dit, les Jean Bossé dit, nous parlons logique de polémique, de chirépite, etc. Même Jean avec Abel Lécoline, même Jean avec Bossé, même Jean avec Manès, chaque collègue t'est prêté ses mains pour respecter et faire respecter la Constitution. Maintenant, nous prenons le soin argumenter les faits qui Poten a mis en accusation le président de la République. Et dans la première partie débat, nous avons éternisé sous Moun nou invité. C'est encore dans le souci pour que aucun collègue ne prenne prétexte pour dire écoute, ils ont perdu, ou bien pour dire ils n'ont pas arrivé et joindre de bonnes explications. Puisque à travers les documents que nous-mêmes nous gagnons, mais documents très lucides. Nous à la fois expliquer les violations et nous bailler référence constitutionnelle. Mais nous voulons aller au-delà. Nous dit pourquoi ne pas avoir la présence de Moun Sayo qui, soit sous directive président, te posé des actions ou de Moun qui dans de l'autre pouvoir, qui même j'en ensemble avec nous, te constaté violation yo, et qui te exprimé ça publiquement. Le cas de CSPJ que collègue Manès fait référence, qui en deux occasions, lors de la nomination et de façon illégale d'un président en coup d'appel, lors de histoire mercenaire Sayo, et par rapport à la crise politique, par rapport à problème gouvernance qui gagne côté pays à livrer à lui-même, c'est encore ce pouvoir c'est, et, judiciaire à travers CSPJ qui dit président, écoutez, vu que l'article 136 fait de vous le garant de la bonne marche des institutions, étant donné que ça va mal, eh ben, il faut tirer sa révérence. Donc, c'est non but ça seulement nous inviter Moun Sayo. C'est pas non cas d'interrogatoire, ni non démarche d'instruction, puisque nous pas en juridiction de jugement. Maintenant, que collègues yo, yo assumé responsabilité yo. C'est vrai, tout le temps, nous toujours répéter Jean Alain Tuniedil quand la nation demande des comptes. Mais ce que moi-même, moi gagne la conviction, Jean Abraham Lincoln t'a dit à un certain moment, au cabay menti avec peuple pendant un temps, pendant un certain temps, mais on pas qu'a jambal menti tout le temps et gagne temps qu'a privé effectivement. Tout nèg qui pensait que peuple en pays a pas demandé compte, peu importe, ou ka sénateur, jounen jou di, ou ka président de la République, ou ka ministre, ou ka baronin, maï moulin kor la, pouvoir ça a fini, ou tombé dans l'autre lan, ou tombé dans l'autre kap vinyan, mais tôt ou tard, ou gen pour rendre compte. Donc nous autres, nous prenons la population, le pays à témoin. C'est vrai, nous avons un parlement qui décrié, nous pas vin là pour nous défendre le parlement, nous c'est premier monde qui conscient que le parlement nous l'a donné décrié. Mais nous c'est une vingtaine de députés et nous invité toutes 117 députés à pour que nous marquions l'histoire à travers cette mise en accusation. Avant député Jean-Aubert Bossé lui-même lui fait conclusion pour nous. Député, est-ce qu'on pas penser que message que vous avez lancé tout à l'heure avec l'ensemble des députés et mandé population pour ta passer devant caille chaque député et mandé pour emboîter le pas étant donné que l'on constate dans plusieurs communes et l'insatisfaction par rapport avec rendement ou bien par rapport avec action que député ont dû poser ils ont pas arrivé poser dans pouvoir ça soit ça dans pouvoir ou bien qui pas dans pouvoir est-ce que pas un risque pour Jean peuple à plaigner de problèmes qui gagne dans pays
et que vous débarquez devant chaque député vraiment, et puis il a demandé pour voter destituer président ou bien comme si il allait dans même logique pas nous. Et député ça yo pas mettre pied dans parlement et puis finalement nous pas gagne gros nous rive en bas et puis nous être député ou fâché toute la série. Bon, moi crois que c'est pas insatisfaction population, c'est évident que yo pas satisfait de travail député yo. Donc c'est pour ça que nous dit c'est une bonne occasion que nous offrons à travers mise en accusation ça pour essayer de refaire image auprès de population que yo t'est engagé yo, justement pour aller défendre dans parlement haïtien. Donc moi quoi deuxième pour question là, moi si yo pas descendre, moi crois que yo gon l'autre agenda capable gon l'autre programmation et monsieur Jovenel capable c'est lui qui a demandé pas venir. Et elle va m'en dire pas venir, c'est qu'il y a quimbé la peine là jusqu'au deuxième lundi de janvier, au 9 janvier 2020, parce qu'il n'y a pas lieu justement sans la séance de mise en accusation de Jovenel Moïse pour que gagne aucune tentative, je dis bien tentative, de ratification d'aucun premier ministre, d'aucun gouvernement. Ça, il faut le clair. Et si on prend option pour pas présenter, ça veut dire pas besoin de gouvernement non plus tout. Même là, nous pas dans dynamique de gouvernement, parce que la République, c'est pas ça le vrai, c'est pas ça le besoin. Il y a besoin d'autre chose, parce que c'est pas légitimité que nous bail un gouvernement qui, dans sa grande majorité, composée de bébés ministres, qui bral deux coups stopper la décroissance Goudlon, qui bral stopper l'inflation hein, qui avoisine les 19%, c'est pas légitimité nous bral bon gouvernement qui bral stopper on dit descente aux enfers de situation mounio dans pays hein. C'est pas lui qui bral faire croissance là qui en dessous d'1% jodi hein, bral monter à 2 3 4%. Donc pays a besoin autre chose, les besoin justement que yo tourner non normalité avec départ de Jovenel Moïse, mettez en place un gouvernement provisoire, un vrai gouvernement provisoire qui bral gagne pour stabiliser pays, hein, pour combattre l'insécurité qui gagne, criminalité qui occupe tout espace pays. Hein. Je dis encore, je ne pas à la quinte si je besoin de passer bisonté pour m'aller, je ne pas connaître si je vais retourner Port-au-Prince. Donc c'est dans ce sens que nous croyons que député yo bral finalement tant de raisons et essayer sortir de mandat ça que yo gagnent différemment de gens qui ont commencé. Même pas aller pour me pas bah un autre exemple de points que nous noter dans acte de mise en accusation. Nous c'est l'article 36.2 dans deuxième alinéa qui dit personne pas qu'à priver un monde d'un droit que le gagnent pour le gon petit bout de caille ou petit terre pour le rester. Et seule manière pour déposséder lui son jugement contre tribunal pour passer justement souverainement jugé, sauf dans un cadre de une réforme agraire. Vous connaissez, le président Jovenel a toléré, accepté que dans le voisinage même de résidence li, que yo krasé kay un paquet de monde dans pèlerin 5. Donc ça c'est encore une preuve d'une violation de la constitution. Voilà. Et ça qui grave là, ça me les causes aggravantes yo. Jusqu'à date, pas absolument rien qui fait pour réparer tort que a causé à cette population. Bien sûr, il t'a dit ça. Jusqu'à présent, pas absolument aucune décision qui prend pour corriger des autres actes qui étaient faits là. C'est encore une cause aggravante de violation de l'article 36.2. Bien. Alors moi-même, t'as dit que parlement est éminemment politique et collègue, yo, c'est pour la première fois yo gagné occasion ça. Et je pense que faut répondre à cette convocation historique. Pour être capable et non seulement redorer le blason, mais pour être capable de quitter le bagage pour la postérité et yo doué, yo condamné pour venir dans la séance. Alors, en gros, nous vraiment sérieux si député ou pas descendre pour gagner pour homme et donc pas gagner question ratification. Ça, c'est évident. Vous, c'est évident. Ça, c'est évident. Bon, peut-être c'est si vous voulez pour venir lever main, vous dites Jovenel est mieux placé par là. Il y a un député qui dit qu'il est difficile. Alors, il y a un député qui dit que vous avez mis le président, mais il est difficile comme si vous avez mis le mais où on l'est. Je ne sais pas si ça arrive là. Mais il a choisi anti-conscription. Yo. Oui. Et supporter Moïse. Eh bien, monsieur le député, Radio Scoop, remerciez-nous, puisque nous étions déjà bas avant-goût. Okay. Merci beaucoup à PDG. Merci beaucoup à tout le staff journaliste. Parce que là, c'est vraiment une bonne occasion pour moi pour me venir dans le studio. Donc, à la prochaine alors. Merci beaucoup.